Tant qu'on a la santé, on n'est jamais malade. Un film de Claude Danis sur une idée de Martine. Mais que vais-je donc mettre à midi ? Fais bien attention à la monnaie. Commençons par satisfaire un petit besoin. Tentation.
liste. Plus d'argent. Hélas. Au lit immédiatement. Chez le docteur Olibrius. Ah, docteur, j'ai mal partout. Un drôle de docteur. Une fièvre de cheval. Thank you.
déguisons-nous vite en pharmaciens. Et un tube de paramicro, dibenzine, je sais pas trop quoi. Vainé, ça se termine. Hypocra, risotto, galibio, infra, etc. Mais non, pas ça, mets-le en place. Quelles bonnes affaires! Lundi. Mardi.
Après 2 ou 3 minutes. Mémé, mémé. Vendredi. Un remontant. Non, un fortifiant. Ah non, là, elle a pris la petite bouteille. Alors, il faut donner la grande bouteille. Flacon. Stop. Alors, c'est quoi ça? Samedi. Pot de Javel. Ah, devenir invisible. C'est marqué. Il va visiter son petit malade. Comment va notre petit malade? Assassin. Chez Madame Irma, voyante extra-lucide. Un homme qui vous veut du mal.
un homme qui vous veut du bien. Un homme qui vous protège. Un homme que vous aimerez. C'est la boule de cristal, là. J'ai ce qu'il vous faut. Je vois ce qu'il vous faut. Bol d'eau Florine, une nouvelle jeunesse. Quelques jours plus tard,
d'un rajeuni grâce à Boldoflorine, une nouvelle jeunesse. Le tome 75 avec dans les principaux rôles famille Lecause, madame Irma, famille Danis, madame Aimé, le garçon gourmand. Albert Ambrosino, le malade abandonné.